résonne dans les microphones. Voilà, alors aujourd'hui, c'est la séance 2. C'est la séance 2. Et c'est la construction du nombre. Séance 02, construction du nombre. Construction du nombre. Alors Noah, bah écoute, au fur et à mesure, tu vas avoir, on te donnera du travail. Là, peut-être, tu as commencé de travailler au boulier, Noah? Est-ce que... Comment? Un petit peu? Ouais. Donc tu as dû faire tout ce qui est la représentation. Donc on va commencer par là. La représentation du nombre. Et puis ensuite, on généralisera. Donc il faut absolument lire. Alors Noah, Baptiste, eh ben, il va se... C'est la maman qui va le lire, hein, surtout. Il faut absolument lire les premières pages, hein, les premières pages, on va dire, jusqu'à la page 21 du livre, d'accord? Et puis aussi prendre le temps de regarder le support de cours. Vous avez identifié le document support de cours? Hein, Céline, oui, j'ai identifié, j'ai pas pris le temps de l'imprimer parce que c'est long. Normalement, il faut pas. C'est un document numérique, hein, donc c'est mieux de l'utiliser. Mais bon, si. Moi, mais pour prendre des notes, il faut quand même que le papier. Mais c'est pour ça qu'on vous l'envoie, hein, sous forme numérique. Mais si vous avez besoin de l'imprimer, ben. Vous l'imprimez. Alexandra, vous n'avez pas eu. En attendant les clients, ça ne doit pas vous arriver souvent. Donc, vous n'avez pas eu le temps de regarder le livret, les livrets. Mais bon, Noah, il prend le temps de regarder les livrets. Donc, actuellement, pour la numération, il faut regarder. Comment ? On a regardé les vidéos et on a lu le livre jusqu'à la page 25. D'accord, le livre. Et puis les livrets, le support de cours. Est-ce que vous avez identifié le support de cours, Noah ou Alexandra ? Oui, c'était. Donc, oui, oui. Voilà, le support de cours, donc c'est les livrets 1 et 2, hein, avant de voir les tables d'addition. D'accord ? Donc, ici, alors. Vous avez bien compris que des systèmes de numération, il y en a eu plusieurs dans l'Antiquité. Et il y a eu notamment un système de numération qui consistait à utiliser les phalanges. Et ce système existait à la fois en Chine et en Mésopotamie. C'est où la Mésopotamie, Noah? La Mésopotamie, c'est dans l'Irak actuel, entre les deux, au Moyen-Orient, hein, l'Irak et l'Iran, on va dire. Hein, dans cette région-là, c'est entre le Tigre, les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Et en Mésopotamie, il y a 10 000 ans, eh bien, on comptait comme ça. Hein, et on calculait aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qu'est-ce que je décompte là? Qu'est-ce que je compte là? Qu'est-ce que c'est que j'ai compté? Hein? Les phalanges. Voilà. J'ai compté les phalanges. Et... combien de phalanges avec les quatre doigts, sachant que le pouce est le curseur, hein, si vous voulez. Combien de phalanges? Combien? 12. Effectivement. C'est Baptiste qui répond? Voilà, 12. Et les 12 phalanges
sont associés. Alors, si vous avez lu le livret, vous devez pouvoir retrouver ces éléments-là dans le livret, c'est expliqué. Et donc, avec les cinq doigts de la main droite, eh bien, vous voyez que 5 fois 12, ça fait combien 5 fois 12? Ça fait 60. Et 60, eh bien, c'est le nombre de secondes dans une minute. C'est le nombre de minutes dans une heure. Et 60, c'est la base du système sexagésimal qu'on utilise encore aujourd'hui avec pour mesurer le temps, la durée, et pour mesurer les angles. Donc, ce système sexagésimal continue à être utilisé, eh bien, tout simplement parce que, pour la durée, par exemple, c'était plus facile de compter dans le système sexagésimal parce qu'il y avait notamment les cadrans solaires qui permettaient de calculer le temps. Hein. Les cadrans solaires, c'est 12 heures de jour, 12 heures de nuit, vous retrouvez encore 12, les 12 mois de l'année, etc. Donc, ce système sexagésimal est encore très présent de nos jours. Hein. Les 12 mois de l'année, ça vient de là. Hein. Les 60 minutes, 60 heures. Donc, on avait utilisé le système sexagésimal et on continue encore à l'utiliser un peu. Et, par contre, au 12e ou au 13e siècle, eh bien, les Chinois ont utilisé un autre système qu'on appelle le système décimal. Et ce système décimal, eh bien, c'est cette fois les doigts. Hein. Donc, je vous ai parlé les chiffres romains. Hein. Les Chinois, quand ils ont inventé le boulier, ils connaissaient les chiffres romains. Donc, en fait, le boulier est très proche des chiffres romains. 6, 7, 8, 9 et 10. Vous voyez les chiffres romains? Et donc, on utilise le boulier parce que c'est un instrument. Les Chinois avaient d'autres instruments. Dans les premières pages, on vous parle des baguettes chinoises. Donc, les Chinois se sont basés sur leurs propres baguettes qu'ils utilisaient déjà. Les baguettes avaient un système de représentation proche des chiffres romains aussi. Hein, et ils ne sont passés au boulier qu'avec le système décimal. Est-ce que les chiffres romains utilisaient le système décimal? Non, hein. Les chiffres romains, on était dans un système qu'on dit additif, hein. C'est-à-dire que quand vous écrivez les chiffres romains, par exemple, si j'écris ça, quel est le nombre que j'ai écrit ici en chiffres romains? Combien? 34. Voilà, 34. Et vous voyez que on n'est pas dans un système positionnel. On va voir que le boulier est positionnel. Là, on est dans un système additif. Tu comprends la différence, Noah, entre positionnel et additif? Hein? On va le voir maintenant. Ça, c'est additif parce qu'on ajoute 10, 10, 10, 3 fois 10, on ajoute 4, ou si on avait 3, par exemple, hein? Si on avait 3, eh ben, voilà, 3 barres. Et là, c'est 33, eh bien, c'est 10 plus 10 plus 10, 33. Alors qu'on va voir qu'au boulier, on procède différemment. Hein, au boulier, donc, le boulier est la continuation des mains, et donc, le boulier permet d'afficher les nombres. Alors, pour Baptiste, comment ça s'appelle, cette perle? Une nerf. Une nerf. Mais tu peux tout à fait dire doigt, hein. Un doigt, parce que ça va correspondre, c'est la même chose, hein. Deux doigts, trois doigts, hein. Quatre doigts. Alors pour quatre, c'est particulier. Quand on dit quatre, Baptiste, il ne faut jamais, si on te demande d'afficher quatre, comment tu fais? Est-ce que tu fais un, deux, trois, quatre? Non.
Est-ce que tu fais comme ça? Non. Comment tu fais? Je fais tout en même temps. Comment? Tu fais tout en même temps. Ouais, effectivement, c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que le nombre 4, on ne peut pas le voir. 4 paires, on ne peut pas avoir. Donc, ce qu'on voit en fait, c'est ça. C'est-à-dire un doigt replié, donc c'est 4. Et là, on fait un doigt replié, donc c'est 4. Mais on ne compte pas. Le boulier, c'est ça justement. C'est l'image technique de 1, de 2, de 3 et de 4. 4, c'est ça l'image technique. Un doigt replié, donc c'est 4. D'accord ? Ensuite, là, est-ce qu'on fait 1, 2, 3, 4, 5 ? Jamais. On fait 5 d'un coup. D'accord ? Parce que pas de doigt replié, 5 d'un coup, c'est ça. Mais normalement, on ne peut pas se représenter les 5 doigts d'un coup. Donc après, là, il y a une manipulation qui est très importante dans le boulier. Qu'est-ce qu'on fait avec, quand on a 5 paires, qu'est-ce qu'on fait là? Oui, on appelle ça un échange. Donc prenez l'habitude de faire cet échange de la façon suivante. Vous, c'est plus facile avec les petits bouliers. On échange 5 doigts contre une main, ou bien on échange 5 unaires contre une quinaire, et vous faites cette opération d'échange qui ne change rien à la représentation, puisque c'est toujours 5. 5 doigts ou une main, 5 unaires ou une quinaire. On fait ça avec le doigté suivant, le pouce désactive et l'index active la quinaire. D'accord ? Prenez l'habitude de faire cette opération avec les deux doigts en même temps. D'accord ? Sachant que l'index s'occupe de ça, des quinaires, et le pouce s'occupe des unaires. D'accord ? Alors prenez l'habitude d'utiliser les deux doigts. C'est, vous voyez, sur les vidéos qu'on peut voir, vous voyez les gamins agiter les doigts, et en fait c'est ça qu'ils se représentent parce qu'ils utilisent le boulier chinois. Ils utilisent le boulier japonais qui est plus compliqué, et le boulier chinois est plus simple, donc le doigté, le mouvement des doigts n'est pas absolument indispensable, parce qu'en fait très rapidement on a le boulier chinois dans la tête. Puisque c'est la même chose que les doigts, donc ça ne change rien, alors que le boulier japonais c'est complètement différent, et le doigté est important parce que ça aide, c'est tellement difficile à se représenter, c'est une autre représentation. Nous, c'est toujours la représentation des doigts, donc cette image on l'a déjà dans le cerveau, donc il n'y a pas besoin d'inventer une nouvelle image. Donc là, on a une main. C'est ça, une main ou une quinaire. On peut représenter 7. Et il faut absolument, notamment pour Noah, changer l'image. Quand tu te représentes 7, Noah, tu vois le chiffre. Tu es d'accord? Et il faut voir maintenant l'image, fermez les yeux, est-ce que tout le monde voit bien 7 avec une quinaire et deux unaires? Est-ce que vous voyez bien le nombre 7? Tout le monde voit bien? Oui. Noah aussi, tu te représentes la quantité, les deux perles et la quinaire? Pas de problème, tout le monde a bien ça en tête. C'est très important, bien sûr, parce que c'est la base du calcul mental. Alors, Alexandra, vous aussi, vous avez l'image? Oui, c'est bon. Et Céline aussi, vous avez l'image en tête? Ça marche aussi. Bon, mais vous voyez que c'est, pour nous, c'est un désapprentissage. Pour les enfants aussi, mais c'est plus facile. Nous, vous savez, les adultes, quand on leur apprend à utiliser le boulier, ils prennent vite mal à la tête. Parce que on a des habitudes, d'autres images, et qu'il faut en changer, ou superposer les bonnes images. Mais vous voyez que ça change tout au niveau de l'apprentissage initial. Par exemple, pour Baptiste, ça change tout.
C'est-à-dire qu'il va pouvoir construire ses nombres avec la bonne image technique. Alors qu'à l'école, on lui apprend que ça. Et ça, ça ne veut rien dire. Vous êtes d'accord? Est-ce que tu vois? Complètement d'accord. Ouais. Et voilà. Parce qu'on a commencé à pratiquer un peu et dans sa tête, je vois bien que ça va très vite. Ça va très vite. Hein. Donc, voilà. Bon, l'image technique doit être unique et c'est cette image technique qu'il faut avoir. Et après, bon, celle-là, on l'a aussi puisqu'on l'a appris, mais c'est important d'avoir la bonne image technique. Et on verra, alors je ne sais pas si vous lisez elle, mais j'ai été interviewé par un journaliste de elle, je crois que ça sort vendredi, où on précise que eh bien, les bonnes images techniques, c'est la numération de Condorcet, qu'on va voir maintenant, hein. Parce que malheureusement, on n'en a pas parlé, aujourd'hui, on utilise une numération, hein, c'est-à-dire 8, on va continuer, hein, donc je vais, on va en parler. Donc quel est ce nombre là? Quel est ce nombre? C'est 9. Alors, ce nombre, c'est 9. Mais il faut le voir, un doigt, une perle non activée. Donc on ne s'embête pas, on ne peut pas voir, on ne peut pas se représenter 4, hein, du fait de la subitisation. Tout le monde a bien compris ce que c'est la subitisation. Hein, le fait de ne pouvoir avoir des images que pour 1, 2 et 3. Hein. Alors, encore une fois, pour les Mésopotamiens, les phalanges, vous savez comment il les représentait à l'écrit. À l'écrit, pour les Mésopotamiens, ça c'était combien? À l'écrit, sur... Je crois que c'est 3 aussi. C'est 3. Donc ça c'est 3. Ensuite, il continuait avec ça c'est 4. Vous voyez? 3 et 1. Ensuite, pour 6, c'était en fait ça. Voilà, 3 et 3, d'accord? Mais ils utilisaient la base 3, bien sûr, parce que c'est la seule façon de se représenter les quantités. Donc, en Mésopotamie, déjà, ils avaient eu conscience de ce phénomène de subitisation. Donc ici, vous devez vous dire, une perle non activée, donc c'est 4 que je ne peux pas voir dans une image technique, donc c'est 4. Comme il y a une main en plus, ou une quinaire, eh bien c'est 9, d'accord? Et pour 10, on dit 10, eh bien c'est pas de perle non activée, toutes les perles sont activées, donc c'est 5, comme il y a une quinaire, c'est 10. Et quand vous arrivez là, c'est le point fondamental du boulier chinois. Quand vous arrivez là, vous faites un échange de 5 unaires contre une quinaire. Et qu'est-ce que vous avez là? Qu'est-ce que vous avez là? Vous avez vos deux mains. D'accord? Et ça, c'est le point fondamental. Pourquoi? Parce que ces deux mains, on va les échanger contre quoi? Contre une dizaine. Je désactive mes deux quinaires et j'active une dizaine. C'est-à-dire qu'ici, on est dans le système positionnel. Pas comme avec les chiffres romains où on est dans un système additif, hein, on fait 10 plus 10 plus 10 plus 3. Là, on est dans un système positionnel. C'est-à-dire qu'on affiche dans une autre position le chiffre 10. Hein, et donc, c'est là. C'est, si vous voulez, on le voit pas très bien avec le système. Additif, mais voilà, le système positionnel, on a des colonnes qui vont nous permettre de trouver la colonne des dizaines, la colonne des centaines, la colonne des milliers, etc. Excusez-moi. Oui, bonjour. Eh oui.
D'accord? Ah, et oui, mais là c'est. Non, le rendez-vous c'était l'autre jour à 11h exceptionnellement. Non, on a fait pas peut-être 11h, mais l'invitation que vous avez reçue c'est 10h. Alors. Ouais. Alors, comment vous. Est-ce que vous pouvez vous connecter là? Oui, est-ce qu'il peut se connecter? Parce que voilà, donc dites-lui de se connecter. Là, on commence, hein, on va dépasser un peu l'heure. On va dépasser l'heure. Oui. Donc, connectez-vous là maintenant. Et puis, bon, on fera un petit dépassement, quoi. Oui, on en est à la numération, il n'y a pas de problème. Voilà, bon, le plus rapide, le plus rapidement possible. Mais normalement, pour ce groupe, c'est 10 heures maintenant. Hein. Ah non, 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 elle est donc à 10 euros de l'heure. Hein. Voilà. Alors, non, non, y a des groupes, donc on fait rejoindre les groupes. Il y a un groupe qui a démarré, donc on a mis des gens en attente pour que tout le monde soit au même niveau. Donc là, c'est le deuxième cours, donc si possible, connectez-vous maintenant. Voilà, à plus tard. Mais vous pouvez aussi vous connecter. Hein. À plus tard. Voilà, au début, bon, la mise en route est un peu compliquée. Donc vous avez bien compris que les cours seront toujours à 10 heures. Hein? C'est ça? Tout le monde a bien enregistré. Voilà. Alors, avec le système positionnel, donc, quel est ce nombre affiché, Baptiste? Quel est ce nombre affiché? 10-1. Très bien. J'attendais que tu dises 11. Hein, mais vous avez bien compris que c'est 10-1. On peut dire 11 aussi. Hein, mais on va en reparler. Quel est ce nombre affiché? Voilà. 12. Mais on peut dire. On peut dire 10-2. Hein, et c'est ce qu'on appelle la numération de Condorcet. Donc, on peut dire 10-3, 10-4, 10-5, voilà. On peut dire 10-6, et vous voyez que on rejoint la logique que pour 10-7. Parce que jusqu'à 17, eh bien on dit 11, on dit 12, on dit 13, on dit 14, on dit 15, on dit 16, mais c'est complètement illogique. Je reprendrai tout à l'heure la réaction d'une petite fille de 3 ans. Donc là, on est à 17. Là, on est à 10, 8, 10, 9. Est-ce que tu connaissais la numération de Condorcet, Noah? Voilà, donc c'est la numération logique. Malheureusement, cette numération n'est pas la numération officielle. Je vais vous préciser un petit peu les choses. Donc, 10, 9. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a après 19? Eh oui, on a duante. Hein. On a duante, mais on dit 20. Hein, c'est-à-dire, on fait l'échange, hein, et on dit 20.
Mais on devrait dire duante. Et ensuite, on devrait dire duante 1, duante 2, duante 3, duante 4, etc. D'accord ? Et duante 4, ensuite duante 9, et après, qu'est-ce qu'il y a après duante 9 ? 29 ? Pardon. Qu'est-ce qu'il y a après 29 ? Après 29, il y a 30, hein, vous êtes d'accord? Est-ce que 30 est logique? Dans la... 30 est logique, 40 est logique, 50 est logique, 60 est logique. Alors, la petite fille, sa maman lui apprenait la numération, elle a 3 ans, hein, c'est il y a quelques jours. Hein. Sa maman lui apprenait la numération, et sa maman lui apprenait par exemple 53, 54, etc., 55, 56, 57, 59, 60, voilà, 60, est-ce que c'est logique 60? Pas de problème. Et la maman continuait. 64, 65, 66, 67, 68, 69. Et la maman dit 70. Est-ce qu'on est logique, 70? On n'est pas logique, on serait censé faire 70. Voilà, on devrait dire 70. Et vous savez ce qu'a dit la petite fille? Quand sa maman a dit 69, 70, la petite fille de 3 ans a dit: maman, arrête de dire des bêtises. Quand elle a dit 69, 70, la petite fille a répondu: maman, arrête de dire des bêtises. Pourquoi la petite fille a dit ça? Parce que c'est pas logique. Si la maman avait dit 70, ben la petite fille aurait dit, ben oui, normal, 60, 70. Voilà. Alors, qui est-ce qui est arrivé? Est-ce que Juliette est là? On va recommencer un peu pour Juliette. Anne. Ah. Oui, bonjour, non, excusez-moi de... C'est la maman toujours. C'est la maman pour l'instant. Voilà, ok, on reprendra un petit peu pour vous. Hein. Eh bien, merci. Je coupe le micro. Hein. Voilà, pas de problème. Hein. Quoi, le mien? Voilà, bien sûr. Mais vous ne pourriez pas couper le mien, je crois. Donc, le logiciel doit présenter, doit protéger le présentateur, sûrement. Donc, on est à 70. Ça, c'est quoi? Donc, alors, les enfants, Baptiste, ça ne te pose pas de problème. Tu es capable de dire dans un système de Condorcet ou dans le système conventionnel, celui qu'on utilise. Tu sais lire dans les deux. Lis dans les deux. C'est 72. Oui, ou bien 72. Voilà, ça ne te pose pas de problème. Mais pourquoi c'est important de connaître 70? Pourquoi c'est important pour les enfants comme toi, les jeunes? Pourquoi c'est important de savoir qu'on normalement on devrait dire 70? Parce que c'est logique. Eh oui, parce que, comme la petite fille de 3 ans, vous imaginez, qui détecte que là, c'est illogique. Et vous savez pourquoi c'est illogique? Eh bien, parce que, à l'origine, je vous ai parlé du système mésopotamien des Durets. Et ce système, il est en base quoi? Hein, on vient de le dire. En base 3, mais aussi en base 60. Hein, il est en base 60. Et donc, jusque, on va dire, au XIIe siècle, eh bien,
on avait le, on va dire le les comment les le peuple, si vous voulez, connaissait surtout ce système base 60 parce qu'ils l'utilisaient dans leur dans pour le mesurer le temps. Hein. Donc 12 heures de la, dans le jour, 12 heures dans la nuit, 60 minutes dans l'heure, eh bien, les gens connaissaient surtout ça. Donc, jusqu'à 60, pas de difficulté, tout le monde connaissait le système de numération jusqu'à 60. Hein. Mais au-delà de 60, eh bien, quand on arrive à 69, le système de numération sexagésimal ne fonctionne plus. Hein, puisque on repart à 0, hein, 1, 2, 3, etc. Donc, on a inventé, pour aller au-delà de 60, on a inventé 70. Mais c'est complètement illogique. C'est une construction à partir du système sexagésimal, alors qu'on est dans un système décimal. Donc, les savants de l'époque, qui n'en étaient pas sûrement, eh ben, ils se sont dit, eh ben, à partir de 60, on va dire 70. Hein. Et après, qu'est-ce qu'on dit quand on arrive à 60, là, c'est combien ça 79. Voilà, hein. Donc, 79. Voilà, il faut bien avoir 9 d'un coup. Hein. Donc, 79, qu'est-ce qu'il y a après 79 ? Eh oui, mais d'où ça vient 80 ? D'où ça vient 80 ? 4, 20. 4 fois 20. Eh oui, ça vient de 4 fois 20. Parce que les Gaulois étaient dans un système base 20. C'est-à-dire que on comptait les doigts et on comptait les doigts de pied. Alors donc on a dit, ah bah oui, bah, 79, ben on va dire 80, 4 fois 20. Bien sûr que c'est 4 fois 20, mais c'est complètement fou. Vous reconnaissez? Comment vous allez apprendre à des enfants de 3 ans, comme la petite de tout à l'heure, comment vous allez lui apprendre que après 59, il y a 60, après 69, il y a 70, et après 79, il y a 80? C'est complètement illogique, c'est fou. Donc aujourd'hui, on impose aux enfants ce système de numération qui leur fait dire les maths, c'est complètement fou, c'est abstrait. Mettez-vous à la place d'un enfant de 5 ans qui dit qu'est-ce qu'il y a après ? Alors les maîtresses, je ne vous dis pas le souci pour apprendre qu'après 79, il y a 4 fois 20. Hein, c'est complètement illogique. Et après, le pire, c'est quand on arrive à ce nombre, c'est quoi 99, non, c'est 89. Hein. Alors, 80, on peut dire octante ou 80. 80, les Suisses disent 80, c'est mieux 80, parce que ça sonne mieux que oct. Hein, on voit mieux le rapprochement avec 8 et non pas oct. Oct, c'est un peu compliqué, donc il vaut mieux dire 8 ans. Mais c'est vrai que Condorcet, il avait prévu 8 ans, je crois. Hein. Mais il vaut mieux dire 8 ans. Hein. Donc 8 ans, 9, et qu'est-ce qu'il y a après ? 90. Il y a 90. Hein. Ou bien, comme on dit dans le système fou, on dit 90. Alors, là, on revient sur 80, hein, et on dit 80 et 10, 80 et 12, hein, 92, hein, on va dire, par exemple, on va dire 94, hein, 94. Alors vous voyez que là, dans 94, il y a deux difficultés. Il y a 80 et quelque chose, hein. Donc ça, c'est une première difficulté, une première irrégularité, mais il y a en plus 14, qui est une irrégularité en soi. Alors, pour votre information, les parents, vous savez que
que le, dans les enquêtes internationales, la France est bon dernier en mathématiques. Par exemple, quand on compare les niveaux de CM1, et bon dernier en Europe, hein, c'est-à-dire sur 27, sur 27, et quand il y avait la Grande-Bretagne, ça faisait sur 28, la France était bonne dernière, était derrière la Roumanie, derrière la Bulgarie, et voilà, qui sont des pays un peu moins avancés que la France, mais qui ont un bon niveau scolaire, hein, parce qu'il venait de l'ancienne URSS. Et donc, la France est bonne dernière. Et dans l'OCDE, l'OCDE, c'est 34 pays développés à peu près, et bien la France est dans les derniers rangs. D'où ça vient? C'est parce qu'on est plus bête que les autres? C'est parce que les profs des écoles sont moins bien formés que dans les autres pays? Le problème, il est là. Le problème, c'est que on a un système qui est extraordinairement compliqué pour des enfants. Dans la langue chinoise, combien d'irrégularités? Aucune irrégularité. Dans la plupart des langues asiatiques, aucune irrégularité dans la numération jusqu'à 100. Hein, vous avez vu la numération jusqu'à 100. Dans les langues slaves, hein, le russe et toutes les langues slaves, aucune irrégularité. Dans les langues sémitiques, hein, l'arabe et d'autres langues sémitiques, aucune irrégularité. Dans la langue italienne, aucune irrégularité. Dans la langue je vois que le papa et Juliette arrivent, sûrement. Voilà, vous êtes connectés? Oui, bonjour. Bon, on reprendra un petit peu après, hein, si vous voulez, pour les bases, parce que c'est important. On pourra le faire. Ouais, Juliette, elle est grande. Hein. Juliette, elle a 9 ans. Ouais, je vous garderai un petit peu après et puis on pourra reprendre. De toute façon, les 15 premières minutes, quand même, on a avancé un petit peu. Ok, donc je vous reprendrai un petit peu tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, hein, je répète pour le papa de Juliette, aujourd'hui, la France est classée dans les derniers rangs en Europe, dans le dernier rang en Europe, au niveau mathématique, en CM1 par exemple, et elle est classée dans les derniers rangs au niveau de l'OCDE. Je vous rappelle, 27 pays en Europe et 34 environ dans l'OCDE. Donc on est dans les derniers rangs à chaque fois. Et il est facile d'accuser les instituteurs ou les professeurs des écoles qui seraient plus mal formés qu'ailleurs, moins bien payés, etc., c'est n'importe quoi. Hein. La différence, une telle différence de niveau et une telle, si vous voulez, les pays depuis 20 ans ont progressé au niveau enseignement, et nous, on n'a pas progressé. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu progresser. Alors, il y a un problème quelque part. Ce problème, il est dans l'information que je vous donne, il n'y a aucune irrégularité dans la langue chinoise pour nommer les nombres. Dans les langues asiatiques, il n'y a aucune irrégularité. Dans les langues slaves, il n'y a aucune irrégularité. Dans les langues sémitiques, dont l'arabe, il n'y a aucune irrégularité. Dans la langue italienne, il n'y a aucune irrégularité. Les irrégularités commencent avec les langues anglo-saxonnes. Il y a deux irrégularités en anglais et en allemand, hein, 11 et 12. Bon, deux irrégularités. Dans les langues hispaniques, l'espagnol et le portugais, il y a 5 irrégularités. Et vous savez combien il y a d'irrégularités dans la langue française, c'est-à-dire
dans la langue qui va être utilisée bientôt par 800 millions de francophones, et où on verra que effectivement les francophones sont pénalisés, comme l'est la France aujourd'hui. Vous savez combien il y a d'irrégularités? Je crois qu'il y a 36 irrégularités, monsieur. Combien? 36. Non, plus que ça. 47. 47, exactement. Effectivement, j'ai dû le dire quelque part, et donc j'ai dit en commençant qu'il y a une interview dans Elle qui, je ne sais pas s'ils le publieront quelquefois, vous savez, les comités de rédaction ne publient pas toutes les interviews du fait du manque de place, et donc on l'indique dans cette interview qui va apparaître dans Elle de vendredi, je crois, et il y a 47 irrégularités. Alors, je vais revenir sur ces 47 irrégularités, pour bien faire comprendre, et puis aussi pour Juliette. Hein. Donc, les irrégularités, on l'avait vu ça, Juliette, non, la dernière fois, non, pas du tout, les irrégularités. Un peu. Qu'est-ce qu'on avait vu 11, tout ça, hein? Donc, dans la numération au boulier, eh bien, hein, la numération, on va revenir rapidement. Donc, vous avez manipulé un peu, Juliette, elle a manipulé le boulier? Un peu? Pas trop? Bon, alors, t'as pas d'excuses, hein, parce que, hein, tu as deux endroits pour travailler le boulier, tout le monde. ton papa et ta maman connaissent le système, donc tu n'as pas d'excuse, il faut manipuler un petit peu. Hein. Donc, eh bien, effectivement, donc ça, c'est les unités. Hein, là, tu es d'accord, Juliette? Hein, là, quel est le nombre affiché? Ah, tu comptes. Ça, c'est pas bien, Juliette. Il faut absolument avoir... On a insisté tout à l'heure sur ça. Baptiste, quel est ce nombre? 8. Oui, et Baptiste, eh bien, il ne compte pas. C'est-à-dire qu'il ne dit pas 5, 6, 7, 8. Il voit une image globale. Il voit l'image d'une main, hein, une quinaire, et puis l'image de trois doigts. C'est-à-dire que cette image a remplacé dans son cerveau l'image de 7. Hein? À l'origine, il avait cette image comme nous tous, pour 7 ou 8, hein, puisqu'on est à 8, il avait cette image en tête, et bien, dorénavant, il a 7 images en tête, c'est-à-dire une quinaire et trois unaires. Et Juliette, la première des choses que tu dois faire en manipulant le boulier, c'est de fermer les yeux et de te représenter l'image au boulier. Hein? Quand tu fermes les yeux, est-ce que tu vois une main et deux doigts ou une quinaire et deux paires lunaires? Est-ce que tu vois cette image? Une quinaire et deux paires lunaires. Pour les adultes, hein, c'est important aussi, hein, d'avoir cette image. Hein? Est-ce que Juliette, en fermant les yeux, tu vois une quinaire et deux lunaires? Pas encore? Hein, pour 7? Comment? Je ne me dis pas encore. Pas encore, et oui. Ça va un peu plus pratiquer, je pense que je vais expliquer un peu. Et oui. Il faut absolument... hein, c'est le boulier, comme on l'a dit, c'est la continuation des doigts des mains, et le cerveau humain est un peu feignant, et le cerveau humain s'est rendu compte que on pouvait... représenter les nombres jusqu'à 10 en se limitant à 3. C'est-à-dire que vous n'avez jamais plus de 3. Hein? Par exemple, ici on a 1, c'est une main, hein, on va dire une main et 3 doigts. Donc on est en dessous de 3. 1, c'est en dessous de 3. On construit, bien sûr. Hein? 1, c'est en dessous de 3. 3, c'est juste 3. Et donc cette image correspond à 8, le cerveau peut la construire sans aucune difficulté. Il a l'image de 1, une main,
Et il ajoute l'image de 3, 3 doigts. Ça ne lui pose pas de problème. Pour 4, comment faire? Alors, Juliette, on l'a dit tout à l'heure, tu n'étais pas là. Donc, en fait, quand on veut faire la représentation de 9, eh bien, 4, on active 4 d'un coup. Jamais on fait 1, 2, 3, 4. Hein, parce qu'on a l'image de 9. Comment on a l'image de 9? Eh bien, l'image de 9, c'est un doigt replié. Je vois un doigt replié. 1, c'est en dessous de 3. Hein. Un doigt replié. Mais, normalement, je ne peux pas voir les 4 doigts, hein, puisqu'on dépasse 3. Et en dépassant 3, je ne peux pas voir 4. Donc, le cerveau, il dit, je vois 1, donc c'est 4. Hein, je vois une paire non activée, donc c'est 4. Et la représentation de 4, ça doit être ça. 4, ça reste dans le flou. Hein. On voit une paire non activée, le doigt replié, donc c'est 4. Et comme il y a une main en plus, eh bien la construction se fait. Une main, un doigt replié, donc c'est 4, avec la main, ça fait 9. Il faut qu'il y ait cette construction. Pour 9, il ne faut pas surtout compter 1, 2, 3, 4, parce qu'on retombe dans le défaut de l'école aujourd'hui. Alors, j'en étais donc aux 47 irrégularités, et il y en a même plus, hein, parce que la construction de 90 ou de 80, elle cumule la construction de 90 ou de 70, cumule en fait deux irrégularités. Donc, en fait, en français, eh bien, on est irrégulier. Hein, donc là, vous êtes bien d'accord qu'on échange deux mains contre une dizaine. On se retrouve dans le système positionnel et non pas le système additif des chiffres romains. Hein. Donc là, on est dans le système positionnel et les difficultés commencent en français, ici. Alors, comme en anglais et en allemand, Eleven et 12, effectivement, c'est deux irrégularités, mais c'est que deux. Et nous, on commence. Une première irrégularité. 11 au lieu de 10, 1. 12 au lieu de 10, 2. 13 au lieu de 10, 3. 14, alors là, il ne faudrait pas que je le fasse comme ça. 14 au lieu de 10, 4. 15 au lieu de 10, 5. 15. L'échange, je le fais... Alors, je redis pour Juliette, l'échange s'effectue de cette façon-là. On désactive avec le pouce, hein, par exemple, et on active avec l'index. Il faut faire cette opération de doigté, désactiver avec le pouce, activer avec l'index. Ceux qui utilisent le boulier japonais, qui est beaucoup plus compliqué et qui est une catastrophe, ils utilisent, c'est important pour eux, parce qu'ils n'ont pas d'image du boulier, et alors que nous, on a avec le boulier chinois, on a une image technique, et le doigté, bon, c'est important, mais ce n'est pas primordial. Ce qui est important, c'est ce qui se passe au niveau du cerveau, et vous voyez que pour désactiver deux chimères, par exemple, eh bien, j'active avec le pouce et je désactive avec l'index, d'accord? Donc, l'index s'occupe de cette partie-là, le pouce s'occupe de cette partie-là. Et là, quelle est cette difficulté? Donc là, on a bien vu qu'il y avait, par exemple, qu'on devenait régulier qu'à partir de 10, 7. Et avant, 11, 12, 13, 14, 15, 16, c'est irrégulier, d'accord? À partir de 17, on est régulier, 18, 19... Là, on échange. Et là, quel est ce nombre, Juliette? Tu ne connais pas, mais Noah, tu te souviens du nombre en Condorcet? Ce nombre en Condorcet, hein, Duant. Hein, c'est Duant 2. Hein. Bon, 20, c'est pas très compliqué, mais 20, c'est compliqué par le fait que c'est... L'origine, ça vient des Gaulois qui comptaient jusqu'à 20 en système vigésimal, je crois que ça s'appelle. Hein. Donc, Duant, c'est ça, et
quand on continue avec le système conventionnel, c'est 20 et 1, 20 et 2, 20 et 3, et donc on est dans les irrégularités, donc encore 10. Hein, tous les 20, c'est 10. 30, alors là, on revient avec, une forme régulière, 30. Avec la petite réserve suivante, c'est que 40, ça s'écrit avec un A, hein, 40, vous écrivez 40 comme ça, 40, et c'est ça, il y a un A ici, et pour 30, c'est un E. Donc dans le système de Condorcet, on remplace le E par un A, 30. Hein, 30, 40, 50, 60, 60. Alors, 70, on retombe dans une calamité pas possible, hein, 60 et 10, et j'ai expliqué tout à l'heure que ça venait du système sexagésimal, parce que jusqu'au Moyen-Âge, on a compté dans le système sexagésimal, c'est-à-dire 60 secondes dans l'heure, dans la minute, 60 minutes dans l'heure, 12 heures de jour, 12 heures de nuit, on est dans le système sexagésimal, donc tout le monde utilisait le système sexagésimal, et quand le système décimal est arrivé, ben, on savait compter jusqu'à 60 sans trop de difficultés, à part les difficultés qu'on a rencontrées pour 11, 12, 13, 14, 15, mais à partir de 60, hein, les grands malins de l'époque, les savants de l'époque se sont dit, ah ben, on va utiliser à partir de 60, on va dire 60 et 10, hein, pour partir du système sexagésimal qu'on connaissait. Et puis, pour 80, on a dit, eh ben voilà, ben on va repartir de 20, hein, 4 fois 20, ça fait 80, donc on va dire 80. Hein, mais ils se sont jamais mis à la place d'un gamin de 3 ans. Hein. On est parti sur 80, on est parti sur 90, et au total, il y a 47 irrégularités, sans compter que pour 90, on cumule deux types d'irrégularités. On cumule 92 et on cumule 4 fois 20. 90, 92, c'est juste... Alors, je vous ai donné la réaction de la petite fille, hein, la petite fille de 3 ans à qui sa maman... donc, je le dis pour Juliette, son papa, mais la petite fille, elle a dit, je vous ai dit sa réaction, 69, 70, que dit la maman pour apprendre à sa petite fille de 3 ans, et la petite fille a répondu, arrête maman de dire des bêtises. Hein, donc, la petite fille a compris que 70, c'est une irrégularité, et que sa logique de petite fille à qui on a appris 59, 60, etc., eh bien, ne l'accepte pas. Elle dit, maman, tu dis des bêtises. 70, c'est effectivement une grosse bêtise. Et quand elle va arriver à 80, elle pensera la même chose. Donc, c'est une catastrophe. Et dans l'interview de elle, je dis que c'est une des raisons principales du désamour des maths, parce que dès la petite enfance, on bloque les gamins sur ces aspects-là et on ne les bloque pas qu'un petit peu. Hein. Vous imaginez bien qu'entre zéro difficulté dans les autres langues et 47 chez nous, allez, deux difficultés chez les anglophones, vous voyez bien que c'est disproportionné. Donc, quand on cherche bien, on se rend compte que le problème, il est là. C'est la numération de Condorcet. Donc, à l'époque, dans les années 70, dans les années 2010, on a fait remonter ce problème-là. L'éducation nationale est d'accord pour passer au système de Condorcet. L'Académie des sciences est d'accord pour passer au système de Condorcet. Qui est-ce qui bloque? Je ne vous ai pas posé la question. Qui est-ce qui bloque, d'après vous? Eh bien, l'Académie française. L'Académie française, et à l'époque, en 2010, bon, j'avais beaucoup d'admiration pour Michel Serres, hein, qui est décédé depuis, mais à l'époque, c'est Michel Serres qui nous a bloqués et qui n'a pas pris en considération notre demande. On va revenir à la charge, hein, parce que c'est dramatique pour le pays, mais c'est dramatique aussi pour tous les francophones qui vont venir. Hein.
si pour simplement un problème de conservation de ce qui a été acquis par la langue, si on est bloqué sur cet aspect-là des choses, on va compliquer la vie des enseignants et surtout on génère quelque part un désamour des maths dès 5-6 ans parce que les enfants ne comprennent pas. Hein. Donc il n'y a pas de logique dans la numération. Comment voulez-vous qu'ensuite il y ait une logique, hein? Et les gens qui s'occupent de la numération, hein, les gens qui s'occupent de la numération, eh bien, on constate les gens qui, au collège par exemple, ou même au lycée, hein, des gamins de 16, 17, 18 ans, hein, eh bien, quand vous dictez au tableau 408, pas de problème. L'élève vous écrit 408. Vous dites 409, pas de problème. L'élève écrit 409. Et vous savez comment, quelquefois, souvent, peut-être un tiers, quand vous dictez 412, vous avez dicté 408, vous avez dicté 409, et vous dictez 412, comment il vous l'écrit, l'élève? Très souvent. Eh bien, il vous l'écrit comme ça. 412. Il est dans la logique qu'on lui a appris. 12, 12, c'est pas 19, c'est un nombre particulier. C'est 12. Voilà. 11, 12, 13. Donc, vous avez, et je l'ai revu une autre fois à l'hôpital, hein, une aide infirmière, une aide-soignante. Hein, une aide-soignante, on lui demande d'aller chercher le numéro d'une chambre, hein, et elle est revenue, alors je ne sais plus si dans quel sens c'était, elle est revenue en disant, par exemple, en fait, il fallait qu'elle dise 6013, et elle est revenue en disant 613. Vous voyez que ça a des conséquences malgré tout. Alors bon, les infirmières, on a dit, c'est pas possible. On est au sixième étage, c'est des 6000 et quelque chose, donc elle a dû se tromper, c'est 6013. Mais moi, je savais pourquoi elle s'était trompée. Hein, ça vous surprend, le papa de Juliette? Et donc, ça veut dire que ce foutu système de numération poursuit les enfants jusqu'à l'adolescence. Hein. Bon, finalement, après, on y arrive, quoi. Hein. Mais c'est une catastrophe. Hein. De maintenir ce système-là, ça plombera la France dans toutes les enquêtes. Et de notre point de vue, c'est ça le problème. C'est pas les enseignants qui seraient mal formés, etc. Voilà. Donc, ce système de numération, eh bien, l'intérêt du boulier, c'est que Baptiste n'a aucune difficulté à écrire, par exemple, ça. Tu es allé jusque-là, Baptiste? Non, tu as manipulé il va jusqu'au centaine? Oui, oui, merci. Bon, doucement. Ah, vous savez ce qu'ils font les gamins en CP quand ils manipulent le boulier? Eh bien, ils disent très souvent « Maîtresse, maîtresse !» Vous savez que normalement en CP c'est limité à 100. Hein, et donc ils disent « Maîtresse, maîtresse, est-ce qu'on peut faire des grands nombres ?» Parce que quand on a compris la construction au boulier, on peut aller jusqu'à à des millions, etc. Donc le jeu en CP, c'est de dire « Maîtresse, maîtresse, est-ce qu'on peut faire des grands nombres ?» Hein, vous voyez l'intérêt aussi du boulier, parce que ça généralise et ça ne bloque pas. Hein, on peut aller jusqu'à des grands nombres. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs. Combien tu dis, Baptiste? 178. Alors, là, tu dis 178. Si tu passes au système de Condorcet, tu dis... 178.
dis 178, ça ne pose pas de difficulté. Tu peux passer de l'un à l'autre. Simplement, 78, eh bien, on a la bonne image. Hein. On a l'image du 7, on a l'image du 8. Et même, on pourrait aller au-delà. Hein. Là, par exemple, on va dire combien ? Hein, peut-être Juliette. Juliette, quel est ce nombre là ? Prends un peu de temps. Quel est ce nombre ? Quel est ce nombre ? Oui, t'as pas manipulé, mais. Donc, on a dit que ça, c'est la colonne des unités. Ça, c'est la colonne des dizaines. Ça, c'est la colonne des centaines. Hein? On peut commencer à la colonne des centaines. Voilà, 193. Mais tu prends bien conscience. C'est Juliette qui a répondu ? Oui, oui. Oui ? Donc, tu prends conscience de 193. Tu vois un peu la difficulté de la représentation ? La représentation au boulier, c'est pas 193, c'est pas 104 fois 20 et 13 hein, que tu vois affiché. Hein. Là, tu viens de me lire le mot conventionnel, 193. 104 fois 20, est-ce que tu vois 4 fois 20 là ? Non ? Tu ne vois pas 4 fois 20 et 13. Hein. On voit, Baptiste, qu'est-ce qu'on voit là, dans l'image ? Hein ? On ne voit pas 193, on voit quoi dans l'image ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on voit dans l'image ? Qu'est-ce que tu lis ? 193. 193. On voit bien 100, on voit bien 90 et on voit bien 3. Hein ? C'est quand même beaucoup plus logique. Hein ? Donc, l'intérêt du boulier, c'est que ça permet de s'approprier les deux systèmes sans aucune difficulté. Hein? On s'approprie le système de Condorcet en même temps que on mémorise aussi la désignation, habituelle. Hein? Donc 193. Là, on va peut-être parler peut-être. Donc, au boulier, bon, ça, vous aurez l'enregistrement. Bon, je vous garde 5 minutes après si vous voulez, Juliette et ses parents. Mais, donc, vous avez bien compris, Nora, ça ne pose pas de problème ? Non, ça va. Bon, le fait de la numération de Condorcet que tu ne connaissais pas, bon, ça aide. Enfin, si, tu connaissais un peu, mais ça, on peut faire les deux au boulier. Sans aucune difficulté, hein? D'accord. Alors, en tout cas, prenez le temps de lire, si vous pouvez, le livret 1 et le livret 2, qui va correspondre à la numération, et puis le livret. Hein? Le support de cours, chez Juliette, vous avez identifié le support de cours ? C'est le gros document de 300 pages. Voilà, c'est ça, hein. Donc, il faudrait parcourir pour les parents le livret 1 et le livret 2, où on retrouve certaines informations que je vous ai données, là. D'accord ? Bon, on va terminer sur... la numération. Qu'est-ce qu'on peut dire, là, sur le boulier ? Il me semble que je voulais vous dire quelque chose. Oui. Le sens. Prenez l'habitude de toujours commencer par les unités. D'accord ? Les dizaines et les centaines. Mais vous voyez que, à la lecture, on est obligé de commencer par les centaines. Ça, malheureusement, c'est un problème qui découle de la traduction de Fibonacci au XIIIe siècle. Il a traduit les textes arabes. Hein, vous savez comment on dit 43 en allemand ? Quelqu'un sait l'allemand ? Comment on dit en allemand ? Comment on lit 43 en allemand ? Ou en arabe, si quelqu'un qui connaît l'arabe, mais ça arrive. Comment on lit 43 ? Vous ne savez pas ? Personne ?
Donc, comment? Versen. Alors, on lit drei und versen. Voilà. C'est-à-dire qu'on lit 3 et 40. D'accord? Et en arabe, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on écrit, hein, je l'écris 40 et. Non, on écrit comme ça, hein, de droite à gauche. En arabe, on dit 3, voilà, et 40. Hein, on va lire comme ça. Hein, 3 et 40. Hein. Donc, en allemand et en arabe, on dit 3 et 40. Pourquoi? En fait, que ça soit en chinois, en brahmi, on lisait de la droite vers la gauche. Et les Chinois ont changé de sens pour revenir à notre lecture occidentale. Mais à l'origine, la lecture, c'était de la droite vers la gauche. Et Fibonacci, pour écrire 3 et 40, lui, il était latin, il était romain, il vivait au Maghreb, mais quand il a traduit les textes de l'arabe vers le latin, eh bien, lui, il a tout inversé. Hein. C'est-à-dire qu'il a écrit, il inversait le sens. Lui, il écrivait de la gauche vers la droite, d'accord? Alors que les Arabes écrivent de la droite vers la gauche. Donc, il a tout inversé, puisque lui écrivait dans l'autre sens. Mais il n'a pas inversé le sens des chiffres. Il a écrit, en écrivant en latin, il a écrit 40 et 3. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en latin, on écrivait d'abord 40. On écrivait d'abord 40, donc ça s'écrivait comme ça, je crois, hein, 40. Hein. 50, la distance de... Non, 40, on l'écrivait... la distance, oui, peut-être comme ça, non hein, peut-être comme ça. 10, la distance de 10 à 50. Hein, et 3, par exemple... Si je ne me trompe pas, ça doit s'écrire en latin comme ça. Hein. Distance de 10 à 50 et 3. Et donc, on écrivait dans ce sens-là. Donc, il a écrit dans ce sens-là. Sauf que ce n'est pas le bon sens. Le bon sens, c'était de la droite vers la gauche. Et on retrouve ce sens dans les graphiques. Hein. Quand vous faites un graphique, eh ben, vous commencez par les petits nombres. Hein. Hein, vous ne commencez pas par les grands nombres. Donc, le sens logique, c'est ça. C'est 1, 2, 3, 4. Malheureusement, Fibonacci a inversé ce sens logique. Et maintenant, on est obligé de commencer par les grands nombres. Ça facilite en quelque sorte les très grands nombres. Mais il faut savoir que c'est dû à une erreur de Fibonacci au départ. Et il aurait dû... inverser aussi le sens et écrire 3 et 40, ce qui nous aurait obligé à faire comme en allemand ou comme en arabe. Donc, on commence par les unités, mais pour la lecture du nombre, on commence par les grands nombres. Mais pour les calculs, commencez toujours par les unités. Hein. C'est normal, les additions, on commence toujours par les unités, et c'est dû à ce fait-là qu'on travaille de la droite vers la gauche. Hein. Et quand on travaille de la gauche vers la droite, eh bien, on le fait, mais en commençant par les petits nombres. Hein, d'accord voilà. Alors, pour, eh bien, justement, pour les graphiques, prenons le cas de la règle, et puis je vais vous abandonner là. La règle, c'est quoi une règle? Une règle. Hein, c'est ça, une règle. Qu'est-ce que vous lisez dans une règle? On apprend aux enfants à utiliser une règle, et là peut-être que Noah va m'aider. Qu'est-ce qu'on voit d'abord dans une règle? Qu'est-ce qu'on voit d'abord dans une règle? Comment? Les graduations. Avant les graduations, peut-être que ce serait mieux que j'écrive comme ça. Donc, qu'est-ce que tu vois d'abord, avant les graduations? Une droite graduée avec un point hauteur, une abside.
Alors tu vois une droite, tu vois effectivement, ouais, on peut même peut-être l'écrire, une droite, c'est la droite graduée, effectivement. Donc tu vois une droite graduée. Là, je vais mettre tous les mots pour expliquer que en primaire, eh ben, malheureusement, les enseignants n'ont pas le temps de décortiquer une règle. Ils disent, ben voilà, tu mesures et tu prends ta règle et tu trouves 7 cm. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Hein. On prend la règle, on mesure 7 cm. Mais vous savez, ça, c'est ce qu'on appelle un implicite. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées, alors que un implicite le plus connu, c'est celui-là. Hein. Est-ce qu'il y a un haut et un bas de la feuille? Je ne sais pas si j'en ai peut-être parlé à quelqu'un là, non? Est-ce qu'il y a un haut et un bas de cette feuille? Où est le haut? C'est plat. Comment? Ben non, c'est plat. C'est plan, hein, c'est horizontal. Donc il n'y a pas de haut et de bas. Et pourtant, on vous a appris que dans une feuille, il y a un haut et un bas. Hein? Et le haut, c'est là, et le bas, c'est là. Est-ce que c'est logique de dire ça? Et les enseignants souvent s'étonnent, oh, il est en CP, il ne sait même pas où est le haut de sa feuille. Eh bien, le problème, il est le suivant. À mon époque, eh bien, aujourd'hui, vous travaillez sur des tables où la feuille est horizontale, donc il n'y a pas de haut ni de bas de la feuille. Si vous voulez adopter un sens de la feuille haut et bas, il faut l'expliquer. Sinon, les enfants, ils sont capables de voir que le plafond est en haut et que le plancher est en bas. Mais sur une feuille, c'est impossible. Et quelquefois, les enseignants sont surpris. Ils ne connaissent même pas le haut et le bas de sa feuille. Ben non, il n'y a pas ni de haut ni de bas. D'où ça vient le haut et le bas? À mon époque, comme au Moyen-Âge, on utilisait... Qu'est-ce qu'on utilisait pour écrire à l'école? Des pupitres. Les pupitres étaient inclinés. Et donc, tout naturellement, quand vous écriviez sur une feuille, il y avait le haut de la feuille et le bas de la feuille. Sauf qu'aujourd'hui, tout est horizontal, et donc, il faut l'expliquer. Hein? Sinon, c'est un implicite. C'est ça qu'on appelle un implicite. Et Bourdieu, le sociologue, eh bien, il disait, c'est pas possible, dans l'école, il y a plein d'implicites. Et les enfants ne peuvent pas détecter ces implicites. Ils sont obligés d'apprendre par cœur. Donc, dans notre échelle ici, dans notre règle, il y a plein d'implicites. Et donc, on va les trouver. Donc, droite graduée. Ensuite, qu'est-ce que tu vois, Noah? Après, des chiffres. Très bien. Donc, on voit des chiffres. Ces chiffres, c'est quoi? Eh bien, ce sont des symboles, mais qui ne disent rien. Ce sont des chiffres. Hein. Donc, premièrement, on voit la droite graduée. Ensuite, on voit des chiffres. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Hein? Au boulier, comment? On voit le point repère. Oui, on voit le début, hein, des graduations, mais ça on va le voir dans les graduations. Après les chiffres, qu'est-ce qu'on voit? Des nombres. Très bien. Alors, je ne sais pas où je vais le mettre. Très bien. Et au boulier, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit des chiffres au boulier? Non, on voit des nombres. Non, des nombres. On voit des nombres. Donc, c'est ça qui est bien. C'est que vous n'êtes pas obligé de passer par le chiffre. Là, est-ce que je vais voir... Oui, droite graduée. Donc, on voit ensuite les graduations. Les graduations, hein. Donc, ça, quelque part, droite graduée, règle, je vais peut-être le mettre en titre, hein, égale règle. Droite graduée égale règle. Donc, je vais le mettre en titre. On voit d'abord les chiffres. Ensuite, on voit les graduations. Ensuite, on voit quoi après la graduation? Vous avez vu les chiffres? Mais est-ce que c'est la graduation 3 ou comment on dit pour définir cette graduation? Est-ce qu'on dit la graduation 3? On ne dit pas la graduation 3, on dit quoi? Le numéro 3. Eh oui,
on dit numéro 3. Oh, mais là, il y en a qui ont travaillé, là. Hein? Numéro 3, ou la troisième. Hein? Numéro. Donc, on voit un numéro. Hein? Ça, c'est la troisième graduation. C'est le numéro 3. La graduation numéro 3. Alors, bien sûr qu'il y a une graduation de départ qui est le numéro 0. La graduation de départ, c'est le numéro 0. Donc, vous voyez que déjà, on en est au numéro. Et qu'est-ce que tu as dit, là? Je ne sais plus qui c'est qui a dit. C'est toujours Baptiste, non? Qu'est-ce que tu as dit après, Baptiste? Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on voit? Hein? Les chiffres? Les nombres. D'accord? Donc, on voit effectivement le nombre 3. Mais ce nombre, c'est pas la graduation dont le nombre est 3. Qu'est-ce que ça veut dire, 3, en fait? Hein, 3 sur la règle. C'est pas le numéro de la graduation, on l'a vu le numéro. On voit les nombres, mais les nombres, ils définissent quoi? Hein? Eh bien, les nombres, comment? Une distance. Eh oui, ils vont définir une distance. C'est-à-dire, une distance, c'est-à-dire, on va même peut-être mettre derrière une mesure. Le nombre 3, ça dit, il y a trois graduations. Il y a trois graduations. Et quand on va lire sept graduations. Et derrière, on va dire, comme ça c'est l'unité, hein, ça c'est l'unité, eh bien, on va dire qu'il y a trois unités où on va mesurer, ou trois centimètres. Donc, vous voyez que dans l'utilisation d'une règle, eh bien, il y a tout ça, ce sont des implicites. Jamais on n'explique. Pourtant, c'est très différent, les chiffres du numéro, du nom, distance, mesure. Et quand on utilise une règle, petit à petit en CP, il faudrait... je pense que les enfants, ils connaissent tout ça. Graduation, numéro, nombre, distance, mesure, tous ces mots, ils connaissent. Au moins une fois, il faudrait... faire un tableau où tout ça, ça apparaît. Et là, c'est clair, il n'y a plus d'implicite. Et bien sûr, on va utiliser la règle pour mesurer, mais sans passer systématiquement par tout ça. Mais tout ça, il faut le connaître. D'accord? Donc, ça, ce sont des implicites. Et voilà, le premier instrument qu'on utilise, effectivement, à part donc notre boulier, c'est cet instrument de règle pour faire comprendre ces histoires de nombres, de mesures. Donc c'est important à le noter. Hein. D'accord, qu'est-ce que j'ai oublié? Bon, bah, écoutez, je vais vous libérer là. Puis si le papa de moi, j'ai une question. Oui. Baptiste, donc il commence à bien manipuler, on a fait plusieurs exercices et je me suis aperçu qu'il faisait un raccourci quand il fait des additions et je voulais savoir si c'était... Quel raccourci il fait, par exemple? En fait, quand il fait 9 plus 7, il pense que dans sa tête, il visualise les unets et du coup, il fait... 9 plus 7, alors faisons 9 plus 7, oui. Et en fait, il fait comme s'il avait, je pense, deux colonnes d'unité et il sait... Oui, oui. Il se concentre que sur les unaires, en fait. Il prend 4. Et quand on écrit 7, c'est 5 plus 2. Donc il fait 4 plus 2. Alors, je crois qu'il prend un raccourci que prennent les adultes parce qu'ils connaissent le résultat. Non, il ne connaît pas. Non, en fait, il additionne. Alors, qu'est-ce qu'il fait? 9, dites-moi, 9. Il neutralise les unaires. Alors, 9 plus 7. En fait, si on écrivait, il fait directement 2 tinaires, et dans sa tête, il en rajoute, il fait 6 lunaires. Mais il fait dans sa tête, il ne fait pas au boulier. D'accord. Alors, explique comment tu fais là. Alors, 9, là, quelle démarche d'après vous il fait pour dire 9 plus 7? En fait, il fait comme s'il avait 2 barres d'unités. D'accord, il ajoute des unités. Et, d'accord, oui, ça c'est pas un bon réflexe.
Il faudra le supprimer, mais on va voir comment on peut le supprimer. Donc 9 et 7, donc il va rajouter comment alors? Dans sa tête, il fait 4 plus 6, ça fait 6, et il sait qu'il a 2 quinaires, donc il fait 16. Il a 2 quinaires supplémentaires qui rajoutent, voilà, pour trouver 16. Et il trouve 16. Oui, c'est ça. Oui, il trouve 16. Bon, ça, Baptiste, ça, il ne faut pas le faire, tu vois, ça nous perturbe, nous aussi. Donc, il ne faut pas faire comme ça. Hein. On va voir, pour les tables d'addition, comment il faut faire. Hein. Donc, 9 et 7... On va voir, mais ça c'est le sujet de la prochaine fois. Donc, ne fais pas d'addition jusqu'à la prochaine fois, ou alors avec la technique que je vais te donner. Hein, pour pas, il faut abandonner cette technique. Hein, parce que le boulier, c'est... Déjà, le boulier, il facilite la vie, parce que le boulier, il permet d'aller jusqu'à 15. Hein, 10 et 5, 15. Donc, le boulier, il facilite grandement la vie. Donc, il ne faut pas aller au-delà de 15. D'accord? Donc, la technique, là, 9, on va le voir en anticipation sur la prochaine fois, mais c'est important que tu pratiques comme ça et non pas avec ta technique à toi. Donc, 9 et 7, hein, tu vas faire 9 et 7. Donc, ça, c'est pour la prochaine fois, c'est ce qu'on appelle les tables d'addition. Hein. Donc, 9 et 7, eh bien, on va dire qu'on ajoute 1. Il n'y a que 1 disponible, Baptiste, tu es d'accord? Donc, on ajoute 1. Mais combien tu dois ajouter? Tu dois ajouter 7. Donc, tu as ajouté 1 et tu mets quelque part dans ta mémoire le fait qu'il faut ajouter 6. D'accord? Et donc, on met, j'ai ajouté 1, mais je dois ajouter 6. Je fais mon échange. Je fais mon échange. Et ça, on appelle ça le passage à 10. C'est-à-dire qu'on fait 9. Et ça, c'est fondamental. C'est toute la base du boulier et du calcul mental. Hein. Donc, on fait 9 plus 1, d'accord? Et on passe à 10. Hein, c'est ça, le passage à 10. Donc ça, c'est toute la base des tables d'addition et du calcul mental hein, que j'ai représenté ici. Et ensuite, Baptiste, combien tu dois rajouter, en fait? Combien tu dois rajouter? 6. Mais, encore une fois, là, tu as mémorisé que tu devais ajouter 6, mais tu ne peux mémoriser que tu ajoutes 6 à 1 pour trouver 7, que en connaissant la table entre 5 et 10. C'est-à-dire qu'on va apprendre la table d'addition. D'une part, ça ne se pratique pas beaucoup à l'école et pourtant, c'est fondamental. On va apprendre 3 tables d'addition. On va apprendre la table d'addition entre 0 et 5. En gros, c'est les images du boulier. La table entre 5 et 10, on retrouve les images du boulier. Et la table entre 10 et 20. C'est le cas ici, où on a ajouté 7, 6 en deux temps. Et là, on a 16. 9 et 7, c'est pas 16, 9 et 7. On va voir que 9 et 7, c'est 9 et 1, 10, et 6, 16. Mais ça, ça ne peut se faire que quand on connaît les trois tables, la table de 0 à 5, la table de 5 à 10, et la table de 10 à 20. Donc, Baptiste, il faut toujours utiliser la perle, ce qui est disponible. Hein, par exemple, si on a, si on a 8 et 5, par exemple, hein, 8 et 5, eh ben, on va faire 8. On pourrait faire 8 et 5 direct, mais on loupe une étape qui est importante. Donc, on va faire 8 et 2, passage à 10, passage à 10, passage à 5, pardon, hein, passage à 10, c'est-à-dire qu'on a fait, en fait, 8 et 2,
ça, en fait, on a fait 3 et 2, 5, mais comme on était à 8, ça fait 10. 8 et 2, 10, et je dois encore en rajouter 3, donc 8 et 5, 13. C'est-à-dire que 8 et 5, l'objectif, c'est bien d'apprendre que 8 et 5, ça fait 13, mais dans un premier temps, on va construire en boulier et on va dire 8 et 2, 10 et 3, 13. Mais de dire que on ajoute 2 et puis ensuite 3, il faut connaître les tables entre 0 et 5. Hein. Il faut savoir que 2 et 3, ça fait effectivement 5. Mais cette image, il faut la voir. Hein. Et cette image, on la construit à partir de 2 et de 3 que l'on a, le complément à 2, on l'a. 2 et 3, 5, effectivement. Et cette image, il faut la voir. D'abord, dans la table entre 0 et 5, pour pouvoir dire, si j'ai ajouté 2, je dois encore ajouter 3. Hein. Donc, c'est important, mais il ne faut pas utiliser ta technique. Ta technique est débrouillarde, mais qui est du calcul mental, mais on va trouver des techniques de calcul mental beaucoup plus simples. Hein. Mais comme quoi, vous voyez, à force de travail, il invente des techniques lui-même. D'accord ? Donc, Baptiste, pas ta technique, passe bien par les perles qui sont disponibles dans les unaires pour faire le passage à 10, et le passage à 5 et le passage à 10. On verra ça la prochaine fois. Hein. D'accord ? Autre question ? Voilà, alors surtout, hein, tu appliques bien, tu as compris la technique là, qu'on a vue rapidement. C'est un peu long, il n'a pas trop suivi, mais je vais reprendre avec lui. Voilà, parfait. Ok. Autre question ? Noah ? Alors, bon, Noah, ces choses-là, c'est des choses connues, mais c'est bien quand même de les replacer dans leur contexte. Hein. Si je t'avais demandé, est-ce que tu peux me donner les concepts ou les notions, hein, on parle plutôt de notions en maths, les 2, 4, les 6 notions cachées derrière une règle, est-ce que tu aurais pu, comme ça, de but en blanc, me dire chiffre, graduation, numéro, nombre, distance, mesure ? Non, hein ? Comment ? Non, pas tout, hein. Tu aurais pu en trouver, mais tu vois, c'est important de voir les choses sous le bon angle. D'accord ? Voilà, donc la semaine prochaine, on verra les tables d'addition. C'est particulièrement important parce que c'est ce passage-là, du boulier au calcul mental, qui est important. Le boulier initie le calcul mental. Hein. Et puis après, effectivement, on verra que le calcul mental peut, dans certains cas, donner un coup de main au boulier, mais plus tard. Donc, au départ, c'est boulier et calcul mental, et les bases du calcul mental, c'est la construction des tables d'addition au boulier. Donc, c'est très, très important. OK ? Autre question ? C'est bon ? On a dépassé un peu. Merci, c'est bon, oui. Voilà. Et, parfait. Donc Noah, alors Noah même manipule, hein, manipule. Bon, la numération, là j'ai donné pour l'étape d'addition une technique que vous pouvez utiliser. D'abord utiliser les paires disponibles unaires, les paires linéaires disponibles pour faire l'addition telle qu'on l'a vu, et faire le passage à 5 et le passage à 10. Obligatoire, donc, pour bien avoir les bonnes bases du calcul mental. D'accord ? Et Baptiste, il travaille, c'est sa maman qui le fait travailler ou c'est lui qui demande à travailler ? Hein ? Chez Baptiste, là, qui est-ce qui prend l'initiative ? Moi, je le sollicite pas mal, il est souvent demandeur. Il est souvent demandeur aussi. Bon, ben, c'est parfait, là. Ok. Bon, ben Juliette, si vous voulez rester 2-3 minutes pour éventuellement d'autres questions pour remplacer le début de la séance. Donc, je vous abandonne les autres. Alexandra, Noah, Céline, Baptiste. Merci, et voilà. Merci.
Bon week-end et à bientôt. Bientôt. Travaillez bien. Merci. Voilà. Ok. Alors, Juliette et bon, donc Anne et. J'ai oublié votre prénom. Jean-Philippe. Jean-Philippe. Hein. D'accord. Donc, on a commencé en fait par des généralités. Peut-être la numération, le système sexagésimal, mais on l'a revu un petit peu. Vous comprenez l'importance de ces systèmes. Ouais, non, mais ça on avait bien compris la dernière fois. Non, après, nous ce qu'on a pas fait, et je pense qu'il faut qu'on lui fasse faire, c'est beaucoup plus manipuler le boulier pour qu'elle comprenne vraiment le principe. Oui, de la centaine, etc. Et comment on passe de l'un à l'autre. Voilà. Mais surtout, voilà, vous démarrez bien aux unités, il faut qu'elle comprenne que l'objectif, c'est de se représenter. Aujourd'hui, elle se représente les nombres comme nous au départ, elle se représente les nombres sous forme de chiffres. Donc, le boulier, comme l'a dit très justement quelqu'un, le boulier, lui, il représente les nombres directement. Hein. Nous, on est obligés de faire une abstraction que l'on a fait depuis longtemps, mais les enfants, ils sont obligés de faire une abstraction, c'est-à-dire de construire de façon abstraite, à partir d'un chiffre, le nombre. C'est extraordinairement compliqué. Hein, parce qu'on n'a pas d'image. Donc, on construit. Bon, on a pris l'habitude, on sait que 9, le complément, c'est 10. Mais vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec la représentation du boulier, qui, elle, montre immédiatement le complément. Donc, ça n'a rien à voir. Là, on est dans du concret. Là, on est dans une construction complètement abstraite. Donc, prenez bien le temps de construire les unités. Et le passage à 10. Hein. Le passage à 10, tu vois, il faut, Juliette, il faut que, quand tu construis 9, là, normalement, tu dois lire 9 immédiatement. Hein. Tu ne dois pas compter. Hein, 5, 6, 7, 8, 9. Non, 9, c'est ça. 9, c'est une paire non activée. Donc, le complément à 5, c'est 4. Donc, avec une main ou avec une quinaire, c'est 9. Hein. Ça, ce sont les images techniques que l'on a dans le cerveau qui donnent immédiatement la réponse. Hein, la subitisation, hein, le temps, hein, on a vu que dans le graphique, le temps de perception des quantités jusqu'à 3, il est très bref, c'est le même, mais qu'à partir de 4, ça augmente très rapidement, hein, parce que ça nous oblige à compter. Et le boulier, c'est un instrument qui évite le comptage. On travaille à partir des images techniques. Et que tout le monde dispose dans son cerveau, bien sûr. Hein. Vous voyez que l'avancée, elle est majeure par rapport à notre système actuel d'abstraction. Hein. Le boulier, si vous voulez, image concrète plus la numération de Condorcet, un enfant, il gagne des mois et des mois de travail, hein, vous pouvez bien vous rendre compte. Hein. D'accord. Donc, on construit 9, et ensuite, 10, eh bien, l'échange. Essaye de prendre l'habitude de manipuler avec les doigts. Hein. L'échange à 10. Donc, 10, c'est le passage à 10. Ça, c'est très important. On va voir ça. Les retenues dans les calculs, dans les additions, les soustractions, les multiplications, ces retenues, on va les voir passer. Hein. Ça, c'est la retenue. Mais au départ, dans la numération, c'est un échange. C'est-à-dire que 10 peut s'écrire au boulier de différentes façons. Hein. 10, ça c'est 10. Hein. Mais première façon, ça c'est aussi 10. Deuxième façon, mais ça c'est aussi 10. Hein. Donc il y a au moins 3. Michel, pardon. Oui. Excusez-moi, comment vous écrivez les 16? 10, 6. 10, 5. 10, 6. Hein, pourquoi? Ah, parce que, est-ce que 16 on peut l'écrire différemment? Non, 16 on peut l'écrire que d'une façon. Hein, il n'y a qu'une façon d'écrire 16. D'accord? Hein, il y a, quelquefois il y a plusieurs façons, mais là, 10, 6, on n'a qu'une façon. Hein. Ouais. Écoutez-nous, je pense que dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est familiariser Juliette et lui apprendre. Oui. Entre guillemets, qu'elle apprenne à
Oui. Comme ça. On va le dire comme ça. À l'aise avec la manipulation, je pense qu'on va partir de là. Une semaine. Ben, le, vous avez la semaine parce qu'après on va attaquer l'étape d'addition. Hein. Hein, donc l'étape d'addition, c'est vraiment une construction nouvelle qu'elle n'a pas faite. Est-ce qu'on t'a appris l'étape d'addition à l'école, Juliette? Ah oui, on te l'a appris parce que c'est pas dans toutes les écoles. Hein, si je te dis par exemple 8 et 7, combien ça fait? 8 plus 7. Est-ce que tu utilises tes doigts pour compter, pour l'étape d'addition, est-ce que tu utilises tes doigts? Voilà. Quelquefois, tu connais. Là, est-ce que tu connais 8 plus 7 par cœur? Pas trop. Pas trop, hein. Donc, voilà, c'est-à-dire que tu n'as pas la bonne construction. Hein. C'est-à-dire que il y a deux types de mémoire. Il y a la mémoire qu'on appelle la mémoire déclarative. Et ça, c'est le but. C'est la mémoire par cœur. Donc, on va dire 8. 8 et 7, on va, l'objectif, c'est de dire 15. Hein. Mémoire déclarative, ça va être 8 plus 7 égale 15. Mais pour ce faire, on va passer par la mémoire procédurale. Et la mémoire procédurale, c'est... la mémoire construite, hein, c'est-à-dire qu'on va dire la prochaine fois, on va dire que 8 et 7, c'est pas 8, hein, je vais l'écrire ici, c'est pas 8 et 7, 15. Alors effectivement, vous voyez, au boulier, on pourrait dire 8 et 7, ben voilà, j'ai dit c'est 5, 15, mais... ça donne le résultat parce que le boulier, il va jusqu'à 15. Hein. Mais on va plutôt au boulier faire 8. Alors, qu'est-ce qu'on va ajouter, Juliette, d'après toi, au boulier quand on va faire 8 et 7, là, c'est 8. Il faut absolument que tu aies cette image en tête. On va ajouter combien d'abord? Pour faire 10. Eh oui, on va passer à 10. On va ajouter 2 d'abord. Hein. On va faire... 8 et 2, je fais mon échange, et là je passe à 10. Hein? C'est-à-dire qu'on va faire ça au boulier, qui est en fait une technique de calcul mental. On fait 8 et 2, 10, et par rapport à 7, eh bien, il reste 5, mais ça, 2 plus 5, c'est la table de 5 à 10 qui va nous le dire. Nous, on le sait. Mais Juliette, pas forcément. Et donc, on a 15. Et cette construction, c'est ce qu'on appelle la mémoire procédurale. Et on va écrire plutôt, au lieu de dire 8 et 7, 15, on va écrire 8, 10, 15. On va écrire 8 et 2, plus 2, plus 5. Et c'est ça la procédure. Au lieu de dire 8 et 7, 15, on va dire 8 et 2, 10 et 5, 15. Mais l'objectif, c'est bien que le cerveau connaisse le résultat immédiatement. Hein. L'objectif, c'est bien de dire 8 et 7, 15. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est passé par la procédure, après, on a une mémoire déclarative. Mais la mémoire déclarative, en passant par la procédure, elle est définitive. C'est-à-dire que si on a une panne, comme Juliette semblait le dire tout à l'heure, au lieu de dire « Ah, 8 et 7, j'hésite, je ne sais plus, etc. », eh bien, on repasse par la procédure, en cas de panne, on repasse par la procédure et on retrouve notre résultat. Hein. La mémoire déclarative pure, sans passer par la procédure, elle ne dure pas très longtemps. Hein. On a tendance à l'oublier si on ne se répète pas. Mais... quand on passe par la procédure, c'est définitif. Surtout pour l'étape de multiplication, c'est définitif. Non, non, mais bien compris. Alors ça, il faut que le temps que Juliette l'assimile, je pense. Donc, hein, je vous dis, on va plutôt se concentrer. Oui, oui, il faut. Là, on est dans le programme de la semaine prochaine. Hein. Ok, bah, écoutez, merci beaucoup. Ben, je vous en prie. Donc, alors, est-ce que vous pouvez vous libérer à 10h la prochaine fois? Oui, d'accord. Hein? Ça vous va? Oui, ça
Voilà, normalement, voilà, sauf, sauf imprévu, normalement, pour vous, c'est à 10h. Ok, super. Voilà, merci. Bon week-end. Merci. Bon week-end. Merci. Au revoir, Julien. Bon week-end, merci. Pour tout savoir sur nos actions, notamment l'organisation d'un concours national de calcul mental, rejoignez-nous sur innumérisme.fr. Et pour tout ce qui concerne les bouliers, sur édition-abacus.com.